Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et tous donc pour cette nouvelle webconférence Link qui est co-construite par Patients en réseau et Dis-moi Santé. Et avec Laure, nous sommes toujours très attentives à proposer des sujets soit d'actualité, soit très utiles au quotidien et à la qualité de vie. Et ce soir, donc, moi, je suis particulièrement heureuse parce qu'on va pas seulement, on va pas parler non seulement de qualité de vie, mais on va parler de donner la vie. Et c'est quand même une super mission et j'espère que ce sera une belle émission. Alors pour cela, on a la chance d'être entouré de deux formidables médecins, le professeur Greenberg. Donc, bonsoir professeur, vous êtes chef de service de médecine de la reproduction et de la préservation de la fertilité au CHU Antoine Duclerc et à Jean Verdier, qui sont des établissements de la PHP. Et le docteur Celleret, donc docteur Celleret, bonsoir. Vous êtes gynécologue, gynécologue obstétricien au CHU Thenon et vous faites partie d'un réseau qui s'appelle le CALC, réseau cancer associé à la grossesse. Et donc, vous allez nous expliquer justement qu'après, une fois que ce bébé est là, il va falloir qu'il y ait un suivi très spécifique. Donc, merci d'être parmi nous. Et donc, parmi les témoignages que nous avons la chance d'avoir ce soir, nous avons Julie. Donc, Julie qui va très bien maintenant, qui est une ancienne patiente et qui, avant d'avoir son bébé, elle nous a dit « j'avais déjà créé un premier bébé qui s'appelle les Frangines ». Donc, comme on peut le voir ce soir, les Frangines, c'est une entreprise qui crée une collection de franges à accessoiriser avec un turban, un bonnet, un foulard. On vous mettra tous les liens tout à l'heure. Et puis, on a également Sarah qui a la gentillesse de partager avec nous son parcours dans la préservation de la fertilité. Donc, Sarah, vous êtes écrivain et auteur. Et donc, vous avez été diagnostiquée à 30 ans d'un cancer. Vous allez super bien, vous m'avez dit aujourd'hui. Et donc, vous avez choisi l'humour pour raconter cette épreuve au travers d'un livre qui s'appelle « Sarah, 30 ans, mon cancer, même pas peur » et d'un spectacle « Cas surprise » que vous jouez donc depuis 2017, il me semble. Donc, c'est vraiment tout ça, une ode à la vie que vous appelez souvent d'ailleurs votre arc-en-ciel. C'est le thème de votre podcast qui s'appelle arc-en-ciel puisque d'après ce que vous dites, c'est sans pluie, pas d'arc-en-ciel. Et comme vous le dites, votre premier arc-en-ciel, vous, dans votre vie, ça a été votre bébé après cancer. Et donc, ce soir, je vous souhaite à toutes et tous une très belle émission. Et donc, on va parler de préservation de la fertilité et de bébé après cancer. Donc, Laure, je te laisse la parole. Alors, merci, Oriane, pour ces quelques mots d'introduction et de présentation de nos invités. Moi, je voudrais dire que je suis aussi très émue de cette soirée parce qu'avec Julie, avec Sarah, on s'est toutes rencontrées quand on était patientes. Et notamment sur nos réseaux, alors mon réseau cancer du sein, c'est notre premier réseau, mais aussi sur mon réseau cancer gynéco notamment, on a beaucoup, beaucoup de jeunes femmes beaucoup de jeunes femmes qui ne sont pas toujours si informées que ça. Et on s'est rendu compte que c'était important déjà de mieux comprendre la fertilité de la femme finalement, parce qu'on arrive très souvent comme patiente sans forcément tous les éléments de compréhension. On sait que c'est une chance extrêmement importante, c'est même un droit de pouvoir accéder à la préservation de la fertilité. Et puis après, le Graal, c'est forcément pour toutes ces jeunes femmes de pouvoir, pour un certain nombre d'entre elles, devenir maman. Et je dois dire qu'on a des groupes maintenant pour que des jeunes femmes qui vivent ces expériences puissent se retrouver, échanger leur expérience de future maman, de jeune maman après un cancer. Donc voilà, un très grand, bienvenue donc à tous nos toutes les personnes qui sont là ce soir, donc certainement beaucoup de femmes, mais aussi beaucoup d'hommes, parce que la préservation de la fertilité, ça concerne tout le monde. Et puis, on va voir aussi comment on fait les bébés, tout seul, soit avec un peu d'aide. Et on va tout de suite passer la parole à Michael Greenberg pour cette première partie dédiée à la préservation de la fertilité. Bonjour à tous, merci beaucoup Laure, merci Oriane de m'avoir invité à participer à ce webinaire. C'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous et puis bravo pour tout ce que vous faites parce que c'est hyper important pour toutes ces jeunes femmes, ces jeunes hommes, de pouvoir compter sur des gens comme vous pour pouvoir les accompagner ou pouvoir faire un peu de militantisme pour essayer
de favoriser les nouvelles choses, et dans les nouvelles choses qui sont plus si nouvelles que ça, mais la préservation de la fertilité reste quelque chose de relativement récent. Et du coup, on a besoin de vous pour disséminer l'information et continuer à la disséminer, en tout cas la propager pour qu'il n'y ait plus de loupés et que les femmes qui sont en droit d'y avoir accès et les hommes puissent effectivement y avoir accès. Donc, merci pour ce que vous faites. Je pense qu'il faut qu'on partage mes slides. Voilà, parfait. Donc, ça va être très rapide puisque on n'a pas beaucoup de temps et je dois parler vite. Juste un mot avant sur cette histoire de préservation de la fertilité et cette terminologie. Elle n'est pas bonne, la terminologie. Malheureusement, elle n'est pas bonne. Quand on a commencé à congeler des spermatozoïdes il y a 50 ans, on a dit aux hommes, il faut congeler du sperme. Et en fait, quand on a commencé à étendre ça aux femmes, on s'est mis à dire préservation de la fertilité. Alors, c'est super bien, c'est hyper positif, mais c'est sûrement trop positif, malheureusement. Parce qu'il y a beaucoup de femmes chez qui on va faire des choses et qui n'auront malheureusement, avec nos techniques, pas d'enfants. Parce que ce n'est pas des garanties. Et c'est hyper, hyper important de le dire. Et on aurait dû juste tout simplement, au lieu de dire préservation de la fertilité, on aurait dû dire congélation d'ovocytes, congélation de tissu ovarien, je ne sais quoi. Mais cette terminologie, elle est lourde à porter parce qu'elle est pour nous très lourde quand on connaît les résultats des succès de la PMA. Alors, le cadre aujourd'hui, il y en a un pour la cancérologie, mais il y en a un global de toute façon. C'est que les lois de bioéthique initialement, quand elles ont été promulguées, très rapidement ont fait place à la préservation de la fertilité pour des motifs oncologiques. Et aujourd'hui, toute personne qui a une maladie, dont la maladie, par son histoire naturelle ou ses traitements, peut impacter la fertilité, c'est vrai pour le cancer, mais c'est vrai pour autre chose, est en droit de pouvoir mettre de côté du matériel pour essayer de transmettre ultérieurement sa génétique, son patrimoine génétique, essayer d'avoir des enfants avec ses propres spermatozoïdes ou avec ses propres ovocytes. Pourquoi? Parce qu'en fait, jusque pendant très longtemps, les cancérologues se contentaient de guérir, ce qui était déjà très bien, sans forcément se soucier de ce qu'il pouvait y avoir derrière. Mais comme ils font de mieux en mieux leur travail, on s'intéresse beaucoup à l'au-delà, au futur, et dans le futur, pour beaucoup d'entre nous, il y a la possibilité d'avoir des enfants en transmettant sa génétique. Avant, c'était, madame ou monsieur, malheureusement, on n'a rien pu faire, mais vous êtes guéri, les alternatives que vous aurez, c'est d'adopter, ou avec du don de sperme, ou avec du don d'ovule, éventuellement, vous aurez cette possibilité. Et en fait, ce qui est très bien en soi, mais ce qui est rarement le premier choix des hommes et des femmes. Dans l'idéal, on essaie de les avoir avec notre propre génétique, même si tout n'est pas toujours bon à transmettre, mais ça, on peut en discuter pendant des heures, c'est un vaste débat éthique. Au-delà, parenthèse, la loi a récemment changé et permet maintenant à toutes les femmes, même quand elles sont indemnes de toute pathologie médicale, de pouvoir congeler des ovocytes si elles sont âgées de 29 à 37 ans. Pour la partie médicale, il n'y a pas de, cadre. Il n'y a pas de cadre réel. J'y reviendrai, mais on peut faire ça dès le plus jeune âge et après, à nous de mettre les limites de jusqu'où on va, j'y reviendrai. Pour la femme, c'est compliqué. La femme, c'est compliqué parce que tous les mois, elle produit qu'un seul ovule. Okay, donc on pourrait, si on voulait optimiser les choses, on pourrait avoir qu'un seul ovule tous les mois. Sauf qu'un ovule, c'est en gros 15 à 20% de chances d'avoir un enfant chaque mois, si on avait cet ovule-là. Ce n'est pas assez. Donc en fait, on a plusieurs stratégies de traitement. On peut essayer de protéger la fonction ovarienne des dégâts de la chimiothérapie. On peut essayer de mettre de côté des ovocytes, des ovules, en stimulant fort les ovaires avec des fortes doses d'hormones pendant 10 à 12 jours. Ça fait bouger un petit peu les hormones dans le sang aussi. Donc ça peut être problématique, notamment dans le cancer du sein. Mais on a des traitements pour essayer d'éviter cette augmentation hormonale trop importante. Mais en tout cas, il y a des piqûres tous les jours, 10-12 jours, pour essayer de booster le système et faire en sorte qu'on ait plusieurs ovules qui arrivent à maturité. Et ensuite, on va les récolter par les voies naturelles, sous contrôle échographique, avec une aiguille. On met une aiguille à travers le vagin et on aspire le contenu de ce qu'on appelle les follicules, qui sont des poches d'eau qui contiennent les ovules. Et on récupère les ovules matures qu'on peut derrière congeler.
On peut faire ça avec stimulation, c'est ce qui marche le mieux. On peut des fois faire ça sans stimulation, ça marche un peu moins bien, mais quand on n'a pas le choix, quand on est un peu dans l'urgence, ça peut être une alternative. On peut congeler des ovocytes ou on peut congeler des embryons, ça aussi, c'est un sujet éthique en soi. La congélation d'ovocytes, c'est une préservation de la fertilité personnelle. La congélation d'embryons, c'est une préservation de la fertilité du couple. C'est-à-dire que pour les réutiliser, il faudra que le couple soit pérenne avec les deux membres du couple encore vivants. Donc ça met des contraintes extrêmes pour les femmes. Alors pendant longtemps, ça a été, on a discuté et on se disait, mais est-ce qu'il vaut quand même mieux pas congeler des embryons parce que ça marche mieux? Les progrès dans la congélation d'ovocytes font que maintenant les résultats sont relativement similaires et que la congélation d'embryons est quasiment plus jamais proposée. Sauf cas particulier parce qu'en fait, elle met les femmes dans, elles mettent trop de limites à la réutilisation. Dernière technique, la congélation de tissu ovarien, c'est une intervention chirurgicale à part entière, sous anesthésie générale, où on va enlever un tout ou partie d'un ovaire pour congeler les petits fragments, comme vous voyez là. On va dépecer l'ovaire, on va prendre la partie la plus superficielle, en faire des petits fragments pour ultérieurement, si besoin, les regreffer si jamais il n'y a plus du tout de fonction ovarienne, il n'y a plus d'ovulation. On pourra refaire une intervention chirurgicale pour remettre ces petits fragments qui vont reprendre, c'est une greffe, qui vont reprendre une activité d'ovaire à minima avec des ovulations, des possibilités de grossesse naturelle ou éventuellement médicalement assistée. Donc ça, c'est globalement la stratégie de préservation de la fertilité féminine avec les différentes techniques telles qu'elles existent aujourd'hui. Elles sont résumées là-dessus. La protection ovarienne, c'est de donner des traitements pendant la chimio, ça ne marche pas très bien. Il faut être sans doute un peu plus proactif, idéalement stimuler les ovaires avec des injections d'hormones pour congeler plutôt des ovocytes que des embryons. On peut aussi, si on n'a pas le choix, ponctionner sans stimulation, mais encore une fois, ça marche moins bien pour congeler des ovocytes ou des embryons. Ces deux techniques-là ne doivent se faire que avant toute initiation de chimiothérapie. Il faut intervenir avant. Donc ça veut dire qu'il faut que les patientes soient référées suffisamment vite. Si on arrive après la bataille, après déjà une première ligne de chimio, ou si la femme, la jeune fille est prépubère, on ne peut pas stimuler dans ce cas-là, eh bien dans ce cas, on prélève du tissu ovarien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les limites, jusqu'à quel âge? En reproduction, on est extrêmement sévère sur l'âge, c'est très dur, et une femme, entre guillemets, âgée en reproduction, c'est 35-40 ans. Après 40 ans, malheureusement, on ne fait plus de congélation d'ovocytes parce que ça ne marche pas. Ce n'est pas pour pénaliser les femmes, c'est parce que les taux de succès sont catastrophiques. Et donc, on fait, la balance bénéfice-risque n'est pas favorable. Donc, il ne faut pas le faire. À partir de quel âge on peut le faire? Je vous ai dit que la congélation des ovocytes, c'est après la puberté. Mais avant la puberté, on peut prélever du tissu ovarien, quel que soit l'âge. S'il y a un cancer d'une toute petite fille, on peut très bien le faire, ce n'est pas un problème. Après, il y a d'autres questions. Est-ce qu'il faut le faire dans les stades très avancés de la maladie, quand on sait qu'il y a, enfin, il y a un doute sur l'évolution? C'est très discutable. C'est à faire, je pense, c'est du cas par cas. Le but n'étant pas de faire de la congélation compassionnelle, si on est certain de ne pas réutiliser, c'est quand même des procédures médicales et on ne peut pas le nier. Problématique, le nombre d'ovocytes à avoir. Aujourd'hui, on estime qu'il en faut entre 15 et 20 pour donner, on va dire, si la femme a moins de 35 ans, à peu près 70-80% de chances d'avoir un enfant. Donc, ce n'est pas des garanties, quoi qu'on fasse. Donc, en fait, la congélation d'ovocytes ou cette dite préservation de la fertilité, c'est un joker pour éventuellement éviter le recours à des modes alternatifs d'accès à la parentalité. C'est-à-dire que c'est un joker pour éviter éventuellement le don d'ovocytes, c'est un joker pour éventuellement éviter l'adoption, en sachant qu'on n'y arrivera pas à chaque fois. Et si on n'y arrive pas, on revient à la case de ce qu'il y avait avant. Il y a d'autres alternatives et d'autres possibilités d'accéder à la parentalité. Un mot rapide sur l'homme. L'homme, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus ancien. On congèle les spermatos maintenant depuis quasiment 50 ans. C'est une technique qui est prouvée, qui marche très bien. L'homme a l'avantage de produire des spermatozoïdes dès sa puberté et en quantité extrêmement importante. La femme produit un ovule tous les mois, là où l'homme peut produire chaque jour des millions de spermatozoïdes. Donc on n'est pas tout à fait sur un pied d'égalité et il va les produire sans réelle altération liée au vieillissement
Il y en a des minimes, mais c'est pas si dingue que ça. Et c'est vrai que les hommes peuvent avoir des enfants, en théorie, quasiment jusqu'à leur mort. Donc, il y a une grosse inégalité là-dessus. On sait congeler les spermatozoïdes, on sait le faire depuis longtemps. Et donc, par masturbation, le plus souvent, les hommes sont capables de fournir un échantillon qui permet d'avoir un peu de spermatozoïdes, mais on sait quand même que les paramètres du sperme chez les hommes atteints de cancer sont moins bons que ce qu'on peut avoir chez un homme qui n'est pas atteint de cancer. Ceci étant, la congélation en tant que telle, elle n'altère pas les taux de succès. Le problème, c'est que finalement, ou problème ou pas d'ailleurs, mais on a un peu la même problématique chez la femme, beaucoup d'hommes qui ont congelé ne réutilisent pas. Alors, certains ne réutilisent pas parce qu'ils ont des enfants, pareil chez les femmes, et tant mieux pour eux. D'autres ne réutilisent pas parce que malheureusement, ils sont décédés, et d'autres ne réutilisent pas parce qu'ils ont soit pas de projet, soit une peur du projet. C'est très vrai chez la femme, et c'est très vrai dans le cancer du sein, où les femmes sont hantées par ce bouleversement hormonal et représenté par la grossesse, qui n'est pas censé être problématique. Lise va vous en parler après. Mais ça explique en gros que les taux de réutilisation ne sont pas si incroyables que ça. On congèle beaucoup, on réutilise très peu. Et pourtant, le sperme, quand c'est congelé, ça marche très bien. C'est les mêmes résultats que ce qu'on peut avoir quasiment avec du sperme frais. Alors, les limites, c'est qu'il y a des hommes qui ne sont pas en mesure, soit parce que trop fatigués, soit parce qu'en fait, de base, on ne le savait pas avant, mais ils ne produisent pas de spermatozoïdes. Et on peut être amené à aller devoir faire des biopsies, des prélèvements chirurgicaux de testicules pour aller récupérer des spermatozoïdes qu'on aura ou qu'on n'aura pas. De temps en temps, on n'en a pas. À partir de quel âge? Recueil de sperme par masturbation, bah, dès que possible à partir de la puberté, si le jeune homme se sent capable de le faire, est en mesure de le faire. Il y a des spermatozoïdes disponibles. Est-ce qu'il faut un âge supérieur? Bah, oui, de toute façon, il faut un âge supérieur parce que maintenant, la loi a mis une limite. Et on ne peut, la loi française estime que la PMA ne doit pas aider des hommes à être pères s'ils ont plus de 60 ans. Donc ce n'est pas la peine d'aller congeler après 60 ans, c'est interdit. Ce n'est peut-être pas la peine d'aller congeler à 59 ans et demi parce que la possibilité de réutilisation va être très limitée. Et en tout cas, après 60, on ne peut plus rien faire et on ne pourra pas utiliser ces spermatozoïdes congelés. Et pour la femme, la réutilisation ne pourra pas se faire. Après l'âge de 45 ans. C'est 43 ans pour mettre à féconder des ovules frais, donc faire une FIV quand on n'a rien de congelé. Quand on a du matériel congelé, on gagne 2 ans avec la loi française. Donc on peut aller jusqu'à 45 ans. Alors juste pour finir, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans ce cadre-là et qu'on a congelé? Est-ce qu'on doit réutiliser ce qu'on a congelé ou est-ce qu'on peut essayer naturellement? J'ai pas la réponse à ça. Elle est sans doute multifactorielle et il faut prendre en compte un certain nombre de données. Ça dépend à quel moment, par exemple, si elle a congelé des ovocytes, cette femme, ça dépend à quel âge elle revient. Si elle vient à 44 ans, il est hautement peu probable qu'elle puisse avoir une grossesse, qu'elle soit naturelle ou médicalement assistée avec ce qui lui reste au niveau des ovaires. Donc il vaut mieux directement aller à l'utilisation de ce qu'on a congelé. Des fois, ces femmes-là sont obligées d'utiliser le matériel congelé parce qu'elles peuvent s'être trouvées un conjoint qui n'a pas de spermato ou très peu de spermatozoïdes. Et dans ce cas-là, on est amené à faire de la FIV alors que c'est des femmes qui auraient peut-être pu essayer naturellement et à qui on aurait pu donner un peu de temps. Quand on est dans l'entre-deux, pas dans ces extrêmes, en général, on fait les choses un peu à l'envers. On fait d'habitude, quand une femme n'arrive pas à avoir d'enfant, on le dit et un homme, on leur laisse un an et au bout d'un an, on fait quelques tests pour voir s'il n'y a pas une entrave à cette fertilité. Et s'il y en a une, on médicalise et on ajuste la technique en fonction du problème. Pas beaucoup de spermatozoïdes ou de problèmes de trompe, on fait de la FIV. S'il y a un problème très léger, on peut éventuellement faire des inséminations de sperme. Donc on fait aujourd'hui volontiers ces bilans. À partir du moment où on revoit les femmes, on les revoit régulièrement pour rediscuter de leur projet quand elles ont congelé, voir où est-ce qu'elles veulent aller, ce qu'elles veulent faire de ces ovocytes, pareil pour les hommes de ces spermatozoïdes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, s'il y a une demande avec un désir de grossesse, on va leur dire, bah, peut-être qu'on peut faire les choses un peu à l'envers, on va faire les bilans avant, pour pas qu'on vous fasse essayer pendant 6 mois ou 9 mois pour rien et qu'on perde du temps. Parce que si votre mec n'a pas de spermato, bah, c'est peut-être pas la peine de se prendre la tête. Si vos trompes sont bouchées, c'est peut-être pas la peine de perdre du temps. Et donc, on fait ces bilans-là. Si tous les bilans sont normaux et si la femme est relativement jeune, on peut se laisser un petit peu de temps, 6 à 9 mois, et on médicalisera. Si jamais ça ne marche pas. Et là, on médicalisera soit avec ce qui a été congelé,
si la femme a, on va dire, a au-dessus de 40 ans schématiquement, parce que les ovocytes frais ne vont pas être très performants. Mais on doit mettre aussi dans la balance le nombre d'enfants peut-être que ce couple peut avoir, parce que s'il n'y en a pas, peut-être qu'il vaut mieux se garder ce qui est congelé pour un éventuel deuxième ou troisième. Donc ce n'est pas si simple de décider, parce que malheureusement, on ne sait pas si les ovocytes et le matériel congelé aboutira à une grossesse ou pas. Il y a un gros point d'interrogation là-dessus. Et pour finir pour l'homme, pour l'homme, c'est quand même un peu plus simple, parce qu'en général, il y a beaucoup de paillettes et on n'est pas limité dans le nombre de paillettes de sperme qu'on va avoir. Et on a quand même un éventail relativement large. En général, on est obligé de faire de la FIV parce que les paillettes ne sont pas forcément très riches, mais de temps en temps, elles permettent d'offrir toutes les possibilités techniques. Donc voilà ce que j'avais un peu à vous dire sur cette dite préservation de la fertilité. J'ai essayé de faire vite, un peu synthétique. J'ai peut-être été trop long, mais je réponds à vos questions si vous en avez. Alors oui, on a des questions. Laure, je crois que tu voulais d'abord en poser une. Alors, on a deux questions dans le fil des questions. On a une question notamment d'Émilie, qui a été diagnostiquée il y a un an pour son cancer, qui n'a pas eu de préservation de fertilité. C'est une jeune femme qui donc a des injections de décapeptyl et elle se pose la question de savoir si elle pourrait quand même pouvoir tomber enceinte même si elle n'a pas pu accéder à cette préservation de fertilité. Alors quel âge a Émilie ? Ça c'est un facteur clé. Voilà, donc on ne pourra pas répondre spécifiquement, mais en fonction, ça va être essentiel. En fait, les chances de grossesse après cancer du sein, elles existent, bien sûr, et a fortiori, si les femmes sont relativement jeunes. C'est toute la problématique de la préservation de la fertilité. Elle est sans doute pas nécessaire chez beaucoup de femmes qui sont jeunes, qui sont pourtant les meilleures candidates à la préservation, parce que c'est elles qui produisent le plus d'ovocytes et de meilleure qualité. Et plus on avance en âge, moins on en produit, et paradoxalement, il en faut beaucoup, parce que beaucoup ne sont pas bons. Et en plus de ça, c'est les femmes qu'on aura le plus souvent besoin parce qu'elles seront moins fertiles naturellement. Donc c'est hyper compliqué et ça dépend de l'âge. Malheureusement, on n'a pas de marqueur pour dire aujourd'hui est-ce que quelqu'un va être fertile ou pas, que ce soit avec un antécédent de cancer ou pas d'ailleurs. Je suis incapable de dire, quand je vois une femme en face de moi que je n'ai jamais vue, si elle vient me voir en me demandant est-ce que je suis fertile, je n'en sais rien. Et d'ailleurs, les tests que je vais faire ne vont pas me permettre de donner la réponse. En général, on n'est pas capable de le savoir. Donc oui, il y a des chances à partir du moment où il y a des cycles, c'est que cette femme ovule et donc elle a potentiellement des chances, à la condition aussi que son partenaire ait des spermatos et qu'elle ait des trompes perméables, etc. Donc ça peut être attesté éventuellement. Je ne sais pas pour quel motif il n'y a pas eu de préservation de la fertilité à ce moment-là. Est-ce que ce n'était pas possible ou est-ce que ça a été considéré comme pas possible? Normalement, ce n'est pas... C'est très rare ces cas-là maintenant. Si on les envoie dans la bonne tranche d'âge, à savoir avant 40 ans, et que les ovaires sont suffisamment riches pour permettre de pouvoir faire quelque chose, parce que des fois la limite est là, nous, on n'est pas un facteur limitant. Soit ça a été zappé par l'oncologue, et c'est dommage, et c'est contre ça qu'on lutte, soit l'oncologue n'a pas voulu le faire parce qu'on en a eu qui jugeaient que certaines femmes avaient déjà deux enfants et que bon, peut-être pas la peine, ils en avaient déjà deux. Au nom de quoi le médecin choisit pour la femme combien d'enfants elle a le droit d'avoir, mais bon, c'est comme ça, c'est des trucs qu'on a vus. Beaucoup moins maintenant. Mais c'est vrai que les débuts ont été compliqués. Alors, je ne sais pas à quand remonte le cancer, quand était la maladie, si on maîtrisait déjà ces techniques. Il manque un peu d'infos pour répondre, mais sur le principe, il y a sans doute des chances encore. Alors, du coup, moi, j'avais une question de Cyril. Alors, on prendra après les nombreuses questions, je pense, à la fin, parce qu'on a beaucoup d'intervenants ce soir. Cyril disait, est-ce que, et c'est à l'oncologue, vous disiez, c'est un droit, donc à l'oncologue systématiquement d'aborder le sujet. S'il n'aborde pas le sujet, que peut faire la femme? Est-ce qu'elle va se revoir son oncologue? Est-ce qu'il y a un réseau un peu structuré en France de médecins? Alors, vous, vers lesquels? C'est arrivé, ça arrive moins maintenant, mais c'est arrivé au tout début que des oncologues n'en parlent pas ou oublient ou ne veulent pas en parler.
Et dans ce cas-là, on a des femmes qui sont venues d'elles-mêmes nous voir, qui sont venues consulter directement dans le service pour faire cette demande. C'est arrivé. Après, des fois, ça a été des rattrapages. J'ai des amis gynécos. La femme allait voir leur gynéco traitant avec l'annonce du cancer, et c'est eux qui m'appelaient derrière. Donc, en fait, après, plus le maillage va être important, plus on risque de toucher ces femmes par ces réseaux sociaux, ces d'autres moyens de diffuser de l'information. Et puis après, voilà, bon, bah, y a les CECOS, CECOS, qui sont les centres d'études de conservation des œufs et du sperme. Normalement, il y en a dans toutes les régions. Et c'est eux qui sont en charge de cette congélation. Et ils sont en lien avec les centres de préservation de la fertilité. Donc aujourd'hui, normalement, il y a un maillage territorial qui fait qu'il n'y a pas de justification pour dire bah, « vous habitez trop loin, vous avez ci, vous avez ça ». Et il n'y a pas de justification pour dire « on n'a pas le temps ». C'est extrêmement rare, les cancers, on a le temps de rien. Parce que, à part quelques leucémies, où des femmes peuvent mourir dans la nuit, si elles arrivent dans la nuit, si elles ne sont pas traitées, c'est rarissime. La nécessité de traitement dans la journée, il n'y en a pas, pour ainsi dire. Et nous, on est capable et on est réactif normalement dans les 24-48 heures. Et après, on s'adapte au temps qu'on a derrière. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai mis en place, j'ai toujours milité pour ça. Et je sais qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oncologues partout qui avaient mon numéro de téléphone parce que je ne voulais pas, moi, qu'on me dise que j'étais le facteur limitant. Donc à chaque fois, j'acceptais d'être appelé tout le temps, mais à n'importe quelle heure. Parce que, voilà, quand on a lancé les choses, bah, il fallait pas, enfin, fallait expliquer aux oncos que nous, on était là, quoi. On était là et on pouvait répondre. Et si elles venaient pas à nous, c'est que c'est eux qui avaient merdé. Donc voilà, donc c'est dans leurs mains aujourd'hui, c'est dans leurs mains. Et si il y en a encore quelques-uns qui sont réfractaires, plus beaucoup heureusement, bah, les femmes peuvent s'emparer aussi de ce sujet-là et essayer de trouver ou d'être informées par vous. Écoutez, merci professeur, merci pour tout ce que vous faites depuis des années pour que toutes ces personnes, toutes ces jeunes femmes notamment, puissent accéder à cette préservation et pour certaines d'entre elles avoir la chance de devenir maman. Alors, on va passer justement à un temps très fort de notre rencontre ce soir, c'est des témoignages de vraies jeunes femmes qui ont été concernées par le cancer et qui, l'une et l'autre, ont été d'accord aujourd'hui pour parler, pour partager leur expérience, mais aussi bah, communiquer, parce que comme vous le soulignez, en fait, parler de ces sujets largement, en fait, on devrait tous être au courant, quel que soit notre âge, savoir finalement à qui s'adresse cette préservation, comment ça se passe, pour que on puisse, bon, pour soi-même, avoir l'information, mais aussi diffuser une information juste autour de nous, quel que soit le type de cancer ou de maladie grave, vous l'avez dit. Alors, bonsoir Julie et bonsoir Sarah. Donc, merci d'être avec nous ce soir. Et donc, la première question, vous allez répondre l'une puis l'autre, c'est finalement, vous, comment est-ce que vous avez entendu parler de la préservation de fertilité et donc, comment vous avez pu y accéder? Donc, Julie. Bonsoir. Alors, vous entendez? Ça y est, on t'entend très bien, Julie. Super. Parce que j'ai des problèmes de connexion, je m'en excuse par avance. Alors oui, je suis une ancienne patiente et j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Hubert pendant au tout début de mes traitements, enfin juste avant qu'on commence mes traitements, la gynécologue de mon centre anti-cancer, le centre Antoine Lacassagne à Nice, avait son numéro de téléphone et l'a appelée. Dans mes souvenirs, j'ai rendez-vous avec elle un jeudi et le lundi, je partais à Paris pour rencontrer le professeur Greenberg le mardi. Et qui m'a donc expliqué tout ce qu'il vient d'expliquer là, en toute transparence, sur les résultats qui existaient. Et moi, je vous parle de ça, c'était en 2015. Donc maintenant, ça fait quand même 8 ans. À l'époque, c'était encore plus, on va dire, nouveau et précurseur que maintenant. Et pour moi, tout ce qu'il m'expliquait, c'était de la science-fiction. Et je dois dire que quand on m'a annoncé ce cancer, j'étais à des années-lumière de me dire que la chimiothérapie allait pouvoir altérer ma fertilité. Ça, je l'aurais pas du tout imaginé. Donc, je suis contente que...
Ah, flûte, on a donc des soucis de connexion avec Julie, qui va certainement donc pouvoir nous rejoindre dans quelques instants et poursuivre son témoignage. Je propose que Sarah, du coup, tu nous dises, toi, dans quel contexte tu as entendu parler de la préservation de fertilité et comment tu y as accédé. Alors, hop, tac. Ah, voilà, pardon, je faisais activer, désactiver, rien n'allait. Donc, bonjour à tous et toutes déjà. Merci d'être avec nous. Moi, en fait, la préservation, j'ai été malade, donc j'ai eu un cancer du sein comme Julie, et en fait, j'ai eu l'opération, donc personne ne m'a parlé dans le corps médical de la préservation, et j'ai eu mon opération, j'ai été opérée, je sais plus, c'était en début janvier, et il se trouve que ma sœur était enceinte au moment de mes traitements. Et du coup, en fait, j'ai organisé une baby shower 2 semaines après ma sortie de l'hôpital, parce que moi, ça m'aidait d'être très occupée et de le rester. Et du coup, j'ai une de ses amies très discrètement qui est venue me voir et qui m'a dit, tu sais, j'ai une amie qui a eu un cancer comme toi, elle a fait une préservation d'ovocytes. Est-ce que tu as regardé si, avec tes médecins, si c'était possible de le faire? Et moi, on m'en avait pas du tout parlé. Et du coup, à ce moment-là, j'en ai parlé auprès de mes médecins. Et je dirais que ça a été un autre combat dans le combat. C'est-à-dire que même s'il n'y avait peut-être pas urgence de... En fait, il faut enchaîner la radiothérapie dans un certain délai après l'opération. Et donc, on me disait, non, non, mais ce n'est pas le planning prévu, donc on n'a pas le temps de faire ça, il faut commencer les rayons. Et en fait, moi, j'ai dit, je pense qu'on ne s'est pas bien compris. J'ai 30 ans, déjà, vous ne m'en avez pas parlé, vous ne saviez pas trop. Et moi, en plus, j'étais au courant. Comme je dis, mais elle en parlera mieux que moi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a les traitements qu'on a sur le coup, si je puis dire, sur les quelques mois et parfois années. Et après, il y a un traitement hormonal qu'on est plusieurs à avoir suite à un cancer du sein hormonal, comme c'est le cas, qui est 5 ans d'hormonothérapie. Il se trouve que moi, ça m'a créé de l'endométriose, première cause d'infertilité. Donc, merci. Mais voilà, donc à l'époque, je ne savais pas tout ça. Mais je remercie, je bénis ma sœur et son amie de m'en avoir parlé. Donc après, il y a eu le combat à l'intérieur du combat pour dire ben, non, je le ferai. Et après, mon oncologue m'a mis en contact. Je pense qu'il a compris que ce n'était pas une option. C'est pour ça que je dis à tous et à toutes, enfin, et tous, mais si vous avez vraiment ça à cœur, battez-vous pour le faire parce que ça vaut le coup. Je sais qu'on n'a pas forcément l'énergie de mener plusieurs combats à ce moment-là. Voilà, je ne peux pas vous encourager plus qu'en vous disant qu'à travers mon histoire, j'espère que ça vous donne de l'espoir. Mais donc voilà, et il m'a mis en contact avec le professeur Greenberg. Et je dois dire, je ne veux pas trop parler pour lui, mais je crois que lui-même a dû un peu se battre, j'aime pas forcément le terme, mais ça a été peut-être compliqué aussi au sein de l'hôpital, enfin pour que je puisse le faire. Je n'avais pas forcément le protocole habituel. J'ai eu la grande chance de ne pas avoir de chimio, donc c'était moins automatique, peut-être moins facile à l'époque, hein, c'était en 2013. Et donc, grâce à lui, j'ai pu le faire. Alors, en effet, un peu dans l'urgence, parce qu'il fallait quand même commencer les rayons rapidement. Donc, je n'ai pas eu la stimulation. Mais voilà, j'ai eu la grande chance. Et ce qui fait que moi, pendant les 5 ans d'hormonothérapie, j'avais cet espoir au bout du tunnel. Alors, merci déjà aussi de rappeler qu'effectivement, et ça, je suis convaincue qu'on n'en parle pas assez, c'est qu'il y a les traitements à l'hôpital, mais il y a aussi tous ces traitements qu'on dit adjuvant, donc tout ce qu'on va nous donner après pour réduire le risque de récidive. Et je sais qu'il y a beaucoup de questions justement autour des traitements dans l'onglet questions, et le docteur Celleret va y répondre dans la deuxième partie de notre session. Mais c'est effectivement une préoccupation dans différents types de cancers. Donc, deuxième question, vous avez toutes les deux des bébés adorables aujourd'hui. Donc, en fait, grande question, comment vous avez fait ces bébés? Parce qu'en fait, ce qu'on voit et nous, ce qu'on a la chance de lire, heureusement, c'est qu'il y a quand même pas mal de bébés qui se font sous la couette, assez bien tout seul. Donc, c'est assez sympa. Et on a, donc ça, c'est aussi quelque chose, un message d'espoir important. Et puis, bah, parfois, on a besoin d'être aidé, notamment de retourner voir les équipes spécialisées qui accompagnent les jeunes femmes. Alors, du coup, Julie, est-ce que tu peux nous dire, toi, donc, dans ton histoire, comment ça s'est passé, cette grossesse? Oui, alors, du coup, à l'époque, le professeur Greenberg m'avait prélevé les ovocytes qu'il avait pu trouver parce que j'avais un cancer 100% récepteur œstrogène, donc... Il était très déconseillé de faire une stimulation hormonale pour en avoir, en produire plus. Donc, il m'avait expliqué tout ce qu'il a expliqué tout à l'heure dans les chiffres. Donc, à l'échographie, on voyait 13 ovocytes sur mes ovaires. Il a réussi à en prélever 7.
il y a 5 qui ont réussi, enfin qui ont pu être préservés. Donc j'étais tout à fait consciente que pour bien faire, ce qu'il me l'avait dit en toute transparence, il en aurait fallu entre 15 et 20. Et donc je m'étais dit, bon, bah, ça a l'air d'être compliqué, mal embarqué cette histoire si je veux un enfant demain. Mais ma maman m'avait dit, tu sais, Julie, il n'en suffit que d'un. J'avais raison. Et donc moi, j'ai fait un deuil, en fait, clairement. J'ai fait un deuil de ma maternité. J'ai rempli ma vie autrement. Donc je suis devenue entrepreneuse, tout ça. Comme on disait tout à l'heure, j'ai eu mon premier bébé, les frangines. Je me suis mis à fond dans le travail. Peut-être pour imaginer ma vie autrement que ce que j'avais pu l'imaginer avant le cancer, en étant mère de famille notamment. Et donc, j'ai fait un deuil. Et à la fin de mes... Enfin, après mes traitements, donc j'ai fait mon hormonothérapie, que 3 ans et demi. Alors, je m'excuse parce que j'ai un petit bébé qui pleure. Hop, hop. J'ai fait mon hormonothérapie que j'ai pu faire que 3 ans et demi pour certaines raisons de santé notamment. Et j'avais quand même un stérilet parce qu'il ne faut pas tomber enceinte quand on est sous hormonothérapie. Et oui, j'avais, ma gynécologue à l'époque m'avait dit que dans mes ovaires, elle ne voyait plus du tout d'ovocytes et que j'avais tous les signes de la préménopause. Donc, quand le stérilet est arrivé à péremption, ben, je l'ai fait enlever et j'ai dit, advienne que pourra, si la nature décide que je dois être maman, ben, je serai maman. Et si elle décide que je ne dois pas être maman, ben, je ne le serai pas. Et c'est comme ça, peut-être un jour j'adopterai si j'ai un grand besoin de maternité. Et donc, un jour, j'avais des symptômes trop bizarres. Et pour tout vous dire, j'ai cru que je retombais malade. Je suis allée voir mon docteur, je lui ai dit « ça ne va pas du tout, je pense qu'il y a un truc qui ne va pas, je crois que je rempile, il faut que je fasse des examens, tout ça ». Donc j'explique mes symptômes et il me dit « ok, je crois qu'on va faire d'abord un test de grossesse ». Et je lui dis « mais non, on m'a dit que j'avais autant de chances de gagner au loto parce que de tomber enceinte naturellement ». Donc à mon avis, ce n'est pas ça. Enfin, tout de suite, on pense au pire, c'est terrible, mais c'est comme ça quand on est en syndrome post-traumatique certainement. Et en fait, il s'avérait que le test de grossesse a été positif et donc je n'ai pas eu à utiliser à ce jour les ovocytes qui sont congelés à l'hôpital. Et, mais pour autant, je reçois tous les ans la lettre qui me demande si je veux en faire don à la science ou si je veux juste qu'on n'utilise pas et que je ne veux pas les conserver. Et pour autant, à chaque fois, je réponds que je veux quand même les conserver. Pour le moment, parce que voilà, c'est encore du coup une question qui... Enfin, voilà, ça fait partie de mon histoire et ces ovocytes, enfin, mine de rien, c'est pas anodin comme geste. Et pour le moment, je me sens pas du tout capable de m'en séparer. Et donc, quand je tombe enceinte, j'ai dû faire le chemin inverse dans le deuil, c'est-à-dire l'acceptation de la grossesse, moi qui avais fait le deuil de tout ça. Donc, j'avais réentamé une thérapie, tout ça. Et en fait, ça va, ça se passe bien. J'arrive à être maman. Bravo, merci beaucoup pour ce témoignage. Et du coup, toi, Sarah, tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Oui, alors moi, je rejoins Julie. C'est-à-dire que ce truc de tous les ans de renouveler, je me rappelle, je le prenais en photo, le fait de renouveler la conservation du bébé, je le prenais en photo, je me l'envoyais par message, par mail, pour être sûre, je l'envoyais à ma mère en disant « c'est bon, je les garde, voilà, etc. » Donc, j'ai fait les 5 ans d'hormonothérapie. Donc j'avais 30 ans quand on a fait la conservation, que j'étais malade, du coup. Et après, j'ai arrêté le traitement hormonal un tout petit peu avant parce qu'il m'a créé de l'endométriose et que j'ai dû me faire opérer de l'ovaire. J'avais un kyste endométrique de 4 cm, donc assez costaud, qui menaçait qu'on m'enlève l'ovaire. Donc, bon, j'ai préféré... me faire opérer. Et après, j'ai demandé à mon oncologue si je pouvais arrêter. C'était quelques mois avant, j'étais sur la fin, mais j'ai dit, voilà, c'est-à-dire que déjà, je ne sais pas si je vais arriver à avoir un enfant, mais endométriose, je crois que sur la fertilité, ce n'est pas terrible, on va peut-être s'arrêter là. Important aussi à savoir, du coup, j'ai fait pas mal de tests quand j'ai arrêté le tamoxifène avant de dessiner une grossesse naturelle. Et en fait, j'avais une TSH très élevée à 5, sans doute à cause du tamoxifène, du traitement hormonal que j'avais pris 5 ans. Et donc, c'est tout bête, mais c'est juste à savoir, j'ai un problème de thyroïde aussi. Enfin, un problème de thyroïde, pardon, et l'endométriose. Donc, bon, c'est un détail, mais je sais que parfois, les médecins prescrivent pas toujours. Enfin, si mon histoire peut aider, parce que la thyroïde, quand elle est à 5 pour une grossesse, c'est pas possible. Voilà, et en fait, ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai recontacté le professeur Greenberg, qui était quand même celui grâce auquel j'avais pu congeler ses ovocytes, donc il y avait une histoire derrière. Du coup, en fait, comme il a expliqué tout à l'heure, on a essayé 6 mois naturellement, parce que je ne jeunissais pas non plus, donc on n'allait pas attendre un an. On a fait les tests aussi, alors j'avoue que je ne sais plus dans quel ordre, mais j'ai fait tous les tests qu'il fallait faire.
Et puis, ça n'a pas marché. Et donc, on a décidé de faire une FIR, voilà, tout simplement. Et mon arc-en-ciel est né. Voilà. Et donc, je lui dois beaucoup et je le remercie parce qu'on n'a pas toujours l'occasion. Enfin, je l'ai remercié de façon plus informelle, mais il faut remercier ces médecins qui se battent pour nous quand on est déjà dans le combat pour le cancer. Ça a été largement fait, Sarah. Il n'y a pas de problème. Voilà. Mais non, mais c'est important, voilà, de le. Donc j'ai ce grand miracle. J'ai ma petite fille qui a fêté ses 3 ans en début d'année, donc qui est un tout petit peu plus grande que la petite de Julie. Et voilà, donc c'est un merveilleux arc-en-ciel et j'espère que ça donne de l'espoir parce que c'est important de partager ça et qu'on en parle tous et toutes et de se dire que voilà, j'ai envie de vous dire, si un bébé après un cancer c'est possible, tout est possible. Donc ne lâchez pas vos combats et ce dont vous rêvez et qui est important pour vous. Merci beaucoup, Sarah. Alors, je vais vous poser une question. Juste, Julie nous avait dit quelque chose qui peut intéresser certaines d'entre vous quand on avait échangé. Elle avait dit, moi, j'ai pris mon avion, je suis venue voir le docteur Greenberg, j'avais pris mon rendez-vous et il y a une prise en charge même du transport, tout ça. Donc, ça peut aussi ne pas être une limitation parce qu'on sait que parfois, il y a quand même une paupérisation liée aussi à la maladie. Donc, c'était une info qui est sur les démarches administratives qui peut intéresser certaines d'entre vous ou certains. Alors, ce bébé est arrivé, enfin, il était tout petit bébé dans le ventre. Est-ce que vous avez eu un suivi particulier? Julie, alors, oui, Sarah. Je me permets juste, Oriane, de rebondir. Il faut une entente préalable sur ce que tu viens de dire. Une entente préalable de la sécurité sociale. Moi, j'ai pas eu. Enfin, il faut faire vite. Et on sait bien que la bureaucratie, ça va pas vite. Donc, j'ai pris mon avion, je suis partie. Mais il faut savoir qu'après coup, on peut faire une demande auprès du médiateur de la sécurité sociale pour quand même ils prennent en charge les billets d'avion et le logement. Donc, voilà. Mais il faut rien lâcher. C'est possible. Et pardon, ta question. Le suivi, pour qu'on laisse la parole après au docteur Scéléré. Oui, au docteur Scéléré. Oui, j'ai eu un suivi. Alors, tout le long de ma grossesse, en fait, tous les 3 mois, j'avais une échographie des seins et une palpation extrême et une prise de sang pour vérifier les marqueurs, tout ça, voir que tout allait bien. C'est vrai que quand moi, j'ai eu un cancer 100% récepteur œstrogène, donc j'étais vraiment flippée par rapport aux œstrogènes. Puis après, je ne sais pas, je pense que les hormones m'ont portée et j'avais plus peur de rien. Et puis comme j'avais une confiance absolue en mon oncologue qui me disait que non, tout allait bien se passer, bah, du coup, j'étais complètement détendue et j'ai eu une grossesse vraiment exceptionnelle. Génial. Sarah, est-ce que tu es avec nous? Oui. Oui, je laissais Julie pour qu'on voit mieux. Oui, alors moi, j'ai été suivie dans un service de grossesse à risque à Port-Royal. Je pense que c'était lié à l'endométriose aussi et pas qu'à mon cancer. Enfin, pas qu'à mes antécédents de cancer. Et donc, j'ai été suivie au niveau échographie mammaire tous les 3 mois. Voilà, et j'avais mon oncologue qui veillait au grain, mais j'ai une belle grossesse. Je jouais mon spectacle qui a surprise sur mon histoire de mon cancer jusqu'à mes 7 mois de grossesse, 6 mois et demi, 7 mois de grossesse. Et voilà, et c'est d'ailleurs des moments les plus forts de jouer devant ces femmes, et j'espère transmettre de l'espoir à ce moment-là en annonçant à la fin, parce que le ventre se rentrait tout seul, bizarrement, 6 mois et demi, et au moment des saluts, je l'annonçais en disant, sans plus, pas d'arc-en-ciel, voilà, j'attends mon arc-en-ciel. Et voilà, c'était super de jouer à ce moment-là et de partager ça. Je pense que ma grossesse a été aussi, mon bébé est complètement lié à mon histoire, mon grand miracle. Donc, c'était chouette qu'elle m'accompagne et qu'elle vive aussi cette expérience-là. Mais j'ai eu de la chance, comme je dis, ouais, d'avoir une super grossesse. Alors, docteur Scéléré, vous êtes le docteur qui accompagnait les arcs-en-ciel. Donc, on va vous laisser la parole. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Donc, je suis absolument ravie de pouvoir vous parler. Et puis, je pense que vous voyez que le message d'espoir est déjà considérablement passé. Il faut, on voit un témoignage que c'est
c'est des témoignages très satisfaisants, mais qui ne correspondent plus à la réalité en fait, sur la prise en charge en préservation de la fertilité. Je pense que ce que le professeur Grimbert a dit tout à l'heure, c'est vraiment très important. C'est maintenant au niveau, dans toutes les régions, on a ce genre de prise en charge. On n'est plus obligé de prendre l'avion, enfin, c'est quand même plus facile. Et l'autre élément très intéressant, c'est de se dire qu'effectivement, la plupart du temps, on n'a pas besoin de se servir de ces ovocytes vitrifiés, qu'on a beaucoup de patientes qui sont enceintes spontanément. Et c'est ce que je vais peut-être vous montrer dans les diapos, en fait, c'est, si vous en êtes d'accord. Parce que moi, je ne vois pas les diapos, là, donc je ne sais pas si ça va passer. Donc voilà. Donc, j'ai essayé de vous faire des trucs un peu jolis pour vous rêviez avec nous. Donc, est-ce que c'est une question qui est fréquente ? Alors, je veux bien la diapo suivante. Donc, est-ce qu'il faut un suivi spécifique ? En fait, la question en fait, dont on a parlé sans parler, c'est de se dire, est-ce que pour la grossesse, il y a un risque de pathologie particulière ? Est-ce que c'est des patientes qui vont tous avoir de l'hypertension, qui risquent de récidiver de leur cancer ? Ou est-ce qu'au moment de la grossesse, ça ira et on risque de récidiver après ? Et donc, bon, c'est pour ça qu'on fait on discute de ce suivi spécifique. Et l'autre élément, ben, pour le bébé, c'est est-ce que les traitements que la maman a pris précédemment, est-ce que ça peut avoir un impact sur le bébé ? Donc, c'est ça, je vais vous répondre juste après. Donc, l'élément important, j'ai pris en particulier le cas du cancer du sein, c'est une méta-analyse, c'est-à-dire un regroupement de nombreuses analyses qui montrent que ben, finalement, il y a une meilleure survie chez les patientes qui ont des enfants. Donc, c'est significatif pour 4 études. Non significatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre les deux, on ne peut pas conclure. Pour une étude, pour 3 études, c'est exactement pareil. Il y a une seule étude qui dit que ben, les grossesses, elles seraient délétères si elles survenaient dans les moins de 2 ans. Donc, vous voyez l'histoire de attendre un petit peu, attendre 2 ans, c'est aussi ça qui est un élément important. Donc, vous avez entendu qu'il y a plutôt une meilleure survie chez les mamans qui ont eu un bébé. Alors, les conséquences pour le bébé. Donc, tout de suite, on va en parler. Donc, en fait, sur une suivi de cohorte, en fait, sur des patientes suivies depuis 1960, il y avait une augmentation du risque d'accouchement prématuré, plus de bébés de petit poids, alors pas en retard de croissance, mais un peu plus petit, et un risque de malformation qui était de façon très mineure augmenté. Donc, c'est certainement pour ça, en fait, que l'Agence de sécurité du médicament a augmenté, en fait, le temps de wash-out, c'est-à-dire d'arrêt du tamoxifène qui est passé auparavant de 3 mois à 9 mois. Non, on peut passer. Donc, mais globalement, en fait, l'idée, c'est quand même de se dire on a des bébés qui sont quand même vraiment en bonne santé. Et pour nous, ce qu'on dit maintenant, c'est qu'on fait faire une échographie de croissance supplémentaire, en fait, pendant le suivi de la grossesse pour vérifier, en fait, qu'on n'a pas un bébé qui serait moins gros que les autres. Alors, on m'avait demandé de parler un tout petit peu de l'homme. Donc, ce qui est intéressant, en fait, sur l'homme, en fait, c'est qu'on sait que les traitements de chimiothérapie vont avoir un effet sur les spermatozoïdes et que ça va altérer les spermatozoïdes. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'on ne conseille pas aux hommes de rendre leur femme enceinte avant 3 mois après avoir fini leur chimiothérapie. Le temps de laisser, en fait, ces traitements qui altèrent les spermatozoïdes de côté. Toutefois, quand des grossesses surviennent plus tôt, on conseille plutôt une échographie en fait, fœtale plutôt qu'une interruption de grossesse. Vous voyez, on n'est pas aussi à se dire, on sait que ça a un effet in vitro, mais in vivo, on ne peut pas du tout le reproduire de la même façon. Et peut-être que le spermatozoïde qui réussit à féconder, ben lui, c'est un plus fort qui n'a pas été touché par les antimitotiques. Alors, du côté de l'enfant, bah pour l'homme, c'est vraiment très, très rassurant, en fait. Quand il n'y a pas des cancers qui sont héréditaires, vous voyez qu'il n'y a pas de raison, bah il n'y a pas d'augmentation de fréquence de cancer chez les enfants. Et donc, sur un suivi de 20 000 enfants, donc c'était vraiment très intéressant. Et surtout, donc, quand un monsieur a eu un cancer, il n'y a pas d'augmentation de risque de fausse couche, de grossesse pathologique, de malformation, quel que soit le type de cancer. Donc, ça, c'est pareil, c'est un élément important sur la spermatogénèse, en fait. Une fois qu'elle est recouvrée et que le monsieur réussit à faire que sa femme soit enceinte, ben, on n'a pas d'anomalie attendue chez l'enfant. Donc, finalement, ben, il n'y a pas de suivi à envisager sur un enfant dont le papa a eu un cancer. Donc, c'est un élément important. Donc, alors que sur la maman, je vous ai dit que pendant la grossesse, on va surveiller que si le bébé n'a pas de risque de retard de croissance. Et c'est le seul élément. Donc, finalement, sur les enfants,
que leurs parents aient été touchés par un cancer, ça n'augmente pas non plus leur risque de cancer. Donc, vraiment des très bonnes nouvelles pour ces bébés. Alors, on va parler en fait de la maman, puis comme on a parlé beaucoup de cancer du sein, ben on va parler de ce qu'on appelle une fenêtre thérapeutique. La fenêtre thérapeutique, donc c'est comme je l'ai écrit, c'est un moment où le traitement il est interrompu pour laisser à la patiente le temps d'être enceinte. Donc le plus connu, ben c'est l'arrêt en fait du médicament que vous prenez la plupart du temps, du tamoxifène, quand vous avez un cancer hormonodépendant. Comme on l'a dit tout à l'heure, habituellement c'est prescrit 5 ans, 7 ans, 10 ans en fait, en fonction de la tumeur. Et donc, ben, on a une vraie question, c'est que si on arrête ce traitement, on diminue la patiente reprend un risque supplémentaire de récidive, et puis ben, on n'a pas envie de ça, on a envie que nos mamans elles soient guéries et guéries pour longtemps. Donc, on va regarder sur la diapo suivante. Et donc, ben, ça va être une décision partagée. Est-ce qu'on attend la fin de l'hormonothérapie et on accepte une petite perte de chance? Mais à ce moment-là, donc c'est ce que je vous ai mis. Donc, diminution du risque de rechute à 5 ans, c'est 25 à 30 ans, 30%. Alors que si on ne fait que 2 à 3 ans, ben, on a une diminution du risque de récidive seulement de 10 à 15%. Donc, la patiente, elle perd la moitié de son bénéfice. Donc, c'est vraiment intéressant de se dire, ben, ce traitement, il a un intérêt pour la patiente. Donc, c'est intéressant de lui proposer. Et donc, ben, on va discuter avec la patiente. Diapo suivante. Avec l'effet, en fait, décision partagée. Ben, d'un côté, ben, quand on a une diminution du risque de cancer quand on a un bébé, donc l'effet mère en bonne santé, ben, par un projet personnel. Si on arrête l'hormono, ben, on a une baisse de son risque métastatique, une baisse du risque local. Et puis, ben, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la durée? Donc, on va discuter ça avec la patiente. Et donc, très souvent, en fait, on va faire ce qu'on a décrit, en fait, pour les autres, les patientes, en fait, avec Julie Croix en particulier, qui, pour lesquelles on a arrêté, finalement, l'hormonothérapie après 2 ans pour pouvoir, finalement, permettre qu'elle ait un bébé. Et donc, du coup, la diapo suivante qui montre ben, l'effet inverse. Voilà, donc vous voyez, ça faisait une petite bascule, en fait, et on discutait, on est pour la grossesse ou pour l'hormonothérapie, et donc c'est ça ce qu'on va discuter. Ce qu'on essaie vraiment de se dire, c'est plutôt de se dire maintenant, c'est l'arrêt temporaire de cette hormonothérapie, permettre la grossesse, et ensuite pouvoir reprendre l'hormonothérapie. Donc, pour pouvoir être enceinte, comme on le voyait sur la diapo suivante, ben, il faut avoir des cycles. Donc, et puis, ne pas être en récidive. Donc, ça, c'est 2 éléments très importants. Donc, très souvent, c'est pour ça qu'on vous fait un grand bilan complet avant de donner, entre guillemets, l'autorisation de grossesse pour que, ben, on soit bien entre les deux, qu'à la fois la patiente ne noie pas. Parce que quand vous avez 38 ans, ben, d'attendre 5 ans, c'est très long. Alors que quand vous avez ben, 30 ans, c'est vrai que d'attendre 35 ans, c'est plus jouable. Alors, on va… Donc, sur le délai… Donc, vous avez vu quand on a… Ah, ben, j'avais changé la diapo, mais je n'ai pas dû envoyer la bonne. Donc, sur l'in situ, c'est plutôt OK après 1 an, mais ça va dépendre du traitement local. Dans les cancers qui seront invasifs, si c'est un cancer de bon pronostic, on discute au bout de 2 à 3 ans. S'il y a des facteurs défavorables, en particulier si la patiente avait des ganglions positifs, ben, on aimerait continuer l'hormonothérapie plutôt 3 à 5 ans. Et puis, ben, on va voir en fonction des récepteurs hormonaux, donc ce que je disais tout à l'heure. Donc, pour conclure, alors ça, c'est un autre élément très intéressant. Donc, il y a une étude prospective qui a été faite, en fait, qui s'appelle l'étude positive, qui a été faite avec l'Institut Curie, pour lesquelles on a pris des patientes, en fait, qui avaient un désir de grossesse et pour lesquelles on les a suivies. Et donc, ce qu'il faut quand même voir, c'est que c'était quand même des patientes qui n'étaient pas madame tout le monde, c'était plutôt des petits cancers avec des ganglions négatifs. Donc, c'est très rassurant parce que ça a des très bons succès, il n'y a pas de récidive, des choses qui sont vraiment positives. Mais néanmoins, ce qu'il faut quand même entendre, c'est qu'il va falloir, on peut pas encore dire qu'on peut généraliser ça à toutes les patientes. Et ça, je pourrais en parler après. Donc, sur cette étude, on a quand même 74% des femmes qui ont eu au moins une grossesse. Donc, vous voyez, donc 3/4 des femmes ont eu une grossesse après avoir eu un cancer. Ensuite, ce qu'il faut imaginer aussi, c'est de se dire que l'élément intéressant, c'est que la plupart, elles ont eu leur grossesse de façon spontanée et dans les 4 mois qui ont suivi le début d'essai de grossesse. Donc ça, c'est aussi un élément très important, c'est de se dire que finalement, l'idée de prendre, comme le disait le professeur Greenberg tout à l'heure, toutes les sécurités pour être sûr en particulier que le conjoint ait des spermatozoïdes et que les trompes soient perméables, c'est 2 éléments très importants.
Mais finalement, la baisse de la réserve ovarienne, ce n'est pas forcément un élément très intéressant. Ça, ça permet quand même des grossesses spontanées. Et c'est ce que nous montrent en fait ces patientes en ayant 74% des femmes qui ont eu donc un bébé. Hein, donc, c'est vraiment satisfaisant. Et la diapositive suivante. Donc, on avait dit pas de contre-indication absolue, mais des grandes lignes à respecter, en sachant qu'il fallait discuter du délai, qu'on parlait beaucoup de décisions partagées. Alors toutefois, hein, quand je dis pas de contre-indication absolue, je vous mens un petit peu. Hein, c'est évident que là, nous, on a des demandes de patientes métastatiques qui souhaitent arrêter des traitements pour pouvoir essayer d'être enceinte et pour lesquelles on n'est pas du tout confortable parce que ce n'est pas des choses qui se sont déjà faites. Alors, peut-être que, comme le disait tout à l'heure donc Sarah, se dire que bah, quand il y a des choses qui tiennent à cœur, on sait que les patientes elles vont faire des choses que nous, on n'aurait pas autorisées ou pas forcément validées. Et peut-être que dans quelques années, on pourra se dire bah, ça, c'est possible, ça, c'est pas possible. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas donner notre avis sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc, la marge de manœuvre, vous avez vu, elle était limitée. Hein. Est-ce qu'on est interventionniste ? Et est-ce que ça ne faisait pas un problème de plus hein, sur la préservation de fertilité ? Bah, nécessité, hein, donc on travaille en réseau. Donc là, vous avez vu, bah, on travaille donc, nous au sein de la PHP, donc dans les hôpitaux de Paris, avec bah, le professeur Greenberg, bah, moi aussi à l'hôpital Tenon, mais aussi avec l'Institut Curie, l'IGR, enfin d'autres centres en fait, où bah, tous ensemble, on va se battre en fait pour que les patientes elles puissent avoir, bah, réussir leur projet de vie. Qui peut comprendre la grossesse ? Et donc, en conclusion, je vous avais mis la diapo. Ah ben non, ça, c'est ce que j'ai mis, pardon. Et la diapo suivante. Et donc, il y avait le réseau CALG, en fait. C'est le réseau cancer associé à la grossesse. Alors, qui, en premier lieu, répondait aux questions des patientes, en fait, enceintes, en même temps qu'avoir un cancer, de savoir à quel moment on peut proposer des traitements, essayer de faire le meilleur traitement pour la patiente, mais on a aussi maintenant vocation à répondre à des, entre guillemets, autorisations de grossesse ou bien validation d'arrêt de traitement ou aide ben, pour des patients ou des médecins, en fait, qui se retrouveraient dans des situations ben, difficiles, quand est-ce qu'on arrête, quand est-ce, pour qui on arrête, pour qui on n'arrête pas. Voilà. Merci beaucoup, docteur Celleré. C'était vraiment très intéressant et je pense que ça a répondu à beaucoup de questions. Alors, en même temps, on voit bien qu'on ne peut pas forcément répondre à toutes les questions du fil qui sont forcément très intimes, très personnelles. Ce n'est pas des consultations. Il faut vraiment, si vous avez ce souhait, rentrer en contact avec des médecins spécialisés et notamment à travers ce réseau. Hein, donc, qui est, notamment, on pourra le mettre, ça sera dans le replay, mais ce réseau CALG est en lien sur tous les mon réseau cancer, hein, parce qu'on sait que c'est très important. Y a, finalement, pour beaucoup de patients, il y a le temps de la préservation qui est au début des traitements hospitaliers. Il y a tous ces temps des traitements, notamment adjuvants, on se pose beaucoup de questions. Et ça invite vraiment à venir vous poser des questions, parce qu'on a, par exemple, effectivement, de plus en plus de jeunes femmes qui font des fenêtres pour, voilà, prendre le temps, parce que c'est vrai que pour une femme autour de un peu après 30 ans, quand on rajoute les années d'hormonothérapie, notamment dans les cancers du sein, on part trop loin pour espérer tomber enceinte toute seule, sinon. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on discute d'abord avec son oncologue, ou est-ce qu'on vient vous voir pour avoir est-ce qu'on peut contacter les médecins un peu spécialisés là-dedans d'abord pour en fonction des équipes, parce que toutes les équipes sont pas forcément. En fait, très souvent, en fait, il y a un fonctionnement par équipe. C'est-à-dire que la plupart du temps, en fait, les oncologues, maintenant, ils parlent vraiment du désir de grossesse avec leurs patientes. On va dire que presque, on discute quand on met du tamoxifène ou pas du tamoxifène. Est-ce qu'on va mettre une autre hormonothérapie pour justement pas avoir l'effet d'attendre des 9 mois du tamoxifène et qu'on va mettre, par exemple, d'autres traitements qui sont maintenant possibles en prenant un traitement avec du Zoladex souvent ou en même temps. Et ça, ils en discutent vraiment dès en amont. Et puis, très souvent, en fait, dans le cadre de la préservation, on va parler du ben, après. Vous voyez, on va avoir quand même cette séquence où on se dit, ben, finalement, on va en rediscuter, vous allez avoir des relances. Et puis, ben, pour eux, c'est une façon de, comment dire, de se lancer dans ce projet. En fait, vraiment, c'est très souvent, nous, par exemple, on nous les envoie juste au moment où elles ont l'autorisation de grossesse, en fait. C'est-à-dire en se disant, est-ce qu'il y a des choses à faire en plus ? Mais et puis bah, très souvent, bah, elles sont enceintes et on annule le rendez-vous, donc ça c'est fastoche. Ça c'est sympa, c'est sûr. Alors, très souvent, non, on a plaisir. Et moi, je suis beaucoup de dames en fait qui ont un cancer
qui ont eu un cancer avant. Et donc, du coup, bah, c'est assez sympa de se retrouver. Et vraiment, je pense que le message aussi, s'il peut être que finalement, on fait la préservation de sécurité et on garde des chances de grossesse spontanée, c'est deux éléments importants. Et donc, ce que disait tout à l'heure professeur Greenberg en disant bah, « on peut garder ça pour le deuxième bébé », c'est vraiment la deuxième idée, en fait. C'est ça qui est un peu sympa. Et alors, on a des questions aussi sur le bébé. Vous avez évoqué aussi les risques peut-être parfois de fausse couche que toute femme même peut avoir, notamment les trimestres. Est-ce qu'il y a un suivi particulier du bébé, de ces bébés après cancer, et notamment tout ce qui est lié aux fausses couches? Est-ce qu'il y a un risque qui serait accru? Alors, il n'y a pas de risque accru pour les fausses couches liées aux antécédents de cancer. Ce qu'on va avoir, c'est pour toutes les femmes, en fait, le fait d'être plus âgée, on aura plus de risques de fausses couches. Donc, c'est ça l'élément, en fait. Ce n'est pas le fait qu'elles aient eu un traitement qui, vraisemblablement, va augmenter leur risque de fausses couches. C'est plutôt le fait de vieillir. Vous voyez, c'est à ce moment-là, on a des œufs de moins bonne qualité, on fait plus de fausses couches. Alors, très souvent, quand on est dans des équipes, ce qu'on propose, c'est de revoir les patients régulièrement, tous les 15 jours, 3 semaines, pour faire une échographie, ce qui s'appelle du cocooning, en fait. Et ça marche normalement très bien. Et il paraît même que ça diminue le risque de fausses couches. Donc, du coup, le fait de voir un docteur empêche les fausses couches. On ne sait pas comment, mais ça rassure. Peut-être que c'est un élément supplémentaire. Alors moi, je voulais aussi dire que sur notamment mon réseau cancer gynéco, on a quelques rares cas, mais de jeunes femmes qui ont pu avoir des bébés après des cancers du col. Alors, pas trop avancés, bien sûr, hein, mais qui, avec un suivi notamment de la grossesse qui a été très important. On a d'autres jeunes femmes qui ont été touchées par des cancers de l'ovaire très jeunes, qui ont pu avoir des bébés plus tard, même parfois si c'était vraiment quelque chose, comme le disait Julie, parfois il suffit d'un ovocyte bien gentil qui passe par là, bah, ça peut faire des bébés. Donc c'est pour dire que là, on a parlé finalement aussi beaucoup de cancer du sein, mais on a eu des questions autour de personnes aussi qui ont des cancer hématologique, donc notamment avec une personne qui pose la question, il a fallu pour une leucémie aiguë faire un traitement tout de suite, mais il y a eu une préservation d'ovaire faite à un moment plus calme de la maladie. Il va y avoir une greffe de moelle. Est-ce que quand on réimplante, par exemple, s'il y a un projet, en tout cas pour l'idée de réimplanter après l'ovaire, est-ce qu'il y a un risque? Comment on peut s'assurer qu'on ne reprend pas un risque dans la réimplantation? Donc, professeur Greenberg, est-ce que vous avez entre guillemets les situations qui sont entre guillemets hors maladie? Ouais, c'est vrai que dès lors qu'on fait le tissu ovarien, c'est un tissu par définition. Quand on utilise des ovocytes, c'est une cellule. Donc une cellule ne contient jamais de cellules cancéreuses. Un tissu, c'est un amas de cellules, il peut y avoir des cellules tumorales. Donc c'est vrai que c'est toujours un risque qu'on peut avoir dans ce genre de situation. Maintenant, on le sait un peu avant. Il y a des situations qu'on sait comme étant des situations à risque, les leucémies, certains lymphomes non hodgkiniens, des maladies, bon, peu importe, des neuroblastomes, des choses comme ça, sont métastases à l'ovaire. Maintenant, on sait que dans les leucémies, puisque c'est une maladie généralisée, si on prélève les femmes à un moment où elles sont en rémission, il n'y a pas de risque. Donc en fait, les risques sont relativement bien connus. Le problème, c'est quand on n'a rien pu faire d'autre que ce tissu à ovarien, dans des contextes où on sait que l'ovaire est, en l'état actuel des connaissances, pas regreffable. Je prends l'exemple, une femme jeune, 20 ans, qui a un cancer du col, on se dit, bon, elle a encore 10 ans, 20 ans derrière elle pour encore envisager un projet de grossesse. Est-ce qu'il n'y aura pas des progrès médicaux qui éviteront de passer par la greffe? Donc, est-ce que ça ne vaut pas le coup quand même de lui prélever du tissu ovarien? Donc, on le fait dans ces cas-là, en sachant qu'en l'état actuel des choses, on ne peut pas regreffer de manière safe, donc on ne le fait pas. Mais on table sur des progrès médicaux qui aura sans doute, à échelle de 5, 10, 15, 20 ans, pour se dire qu'on pourra sans doute réutiliser ce tissu ovarien, en tout cas on l'espère. Mais en fait,
tout est dans l'information au préalable. Hein. Il faut choisir de se lancer dans de la congélation, dans ces situations à risque, avec l'information pour la patiente de « oui, a priori, on pourra regreffer » ou « non, a priori, on ne peut pas regreffer, mais peut-être qu'on pourra s'il y a des progrès dans le futur. » Les situations sont relativement connues. Sur ces questions justement de pathologie hématologique, etc., on sait que elle touche parfois aussi les enfants, alors les jeunes enfants ou les adolescents, ce qu'on appelle les AJA. On avait une question dans ces cas-là, quand c'est un enfant de moins de 18 ans, alors presque, je pense, moins de 16 ans, sur la question de fertilité, qui sont inclus dans les échanges chez les parents, c'est les enfants, comment ça se passe? Ben, on essaie d'inclure tout le monde en fait, hein. donc c'est des mineurs, donc c'est les parents qui décident de toute manière, ce qui est compliqué hein, parce que c'est une décision qui est difficile. Les parents sont dans une phase assez complexe, pleine de souffrance, pleine de culpabilité aussi souvent, et ils se retrouvent à devoir prendre une décision qui peut être de faire ou de ne pas faire. Quelque chose qui reste encore expérimental, hein, parce que le prélèvement avant la puberté, quasiment pas de grossesse, donc on ne sait pas ce qu'on fait. Alors soit on se dit on ne sait pas ce qu'on fait, on ne fait pas, soit on se dit on essaie de mettre toutes les chances du côté de cet enfant pour son futur, mais c'est vrai que ça alourdit les choses, ça alourdit le process. C'est une intervention chirurgicale supplémentaire, donc c'est compliqué, et c'est vrai pour les garçons et les filles d'ailleurs, parce qu'on prélève aussi du tissu testiculaire. Donc c'est quand même une décision lourde. Les parents sont en général très perdus, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Nous, on n'a pas forcément beaucoup de réponses, parce qu'on n'a pas de données en termes de taux de grossesse et de taux de succès de nos techniques. Et c'est hyper compliqué. Hyper compliqué. Et les parents qui sont mis dans cette situation de faire ce choix, on ne peut pas les blâmer, mais quelle que soit leur décision, je veux dire, il n'y a pas de bonne décision ou de mauvaise décision. Pour le coup, ils voient leur gamin en train de souffrir. On peut essayer, chez les ados un peu âgés, de les impliquer, bien sûr, là-dedans. Après, on peut en parler, mais un gamin de 2 ans, qu'est-ce que vous allez lui raconter sur la fonction ovarienne? Voilà. C'est pas... Donc, c'est hyper, hyper, hyper difficile. Et projeter un gamin ou une gamine de 16-17 ans dans sa future maternité, là où elle n'a même pas commencé sa vie sexuelle et lui non plus souvent, ça, on les projette dans des trucs qui ne sont pas du tout adaptés à leur âge. Malheureusement, on les fait mûrir et peut-être mal mûrir d'ailleurs trop vite avec ces questions-là. Alors, c'est pour leur bien au départ, mais est-ce que c'est vraiment tant que ça fonctionne? Ouais. Et c'est là qu'il faut revenir... passe bien aussi. Moi, je me souviens d'un jeune homme de 16 ans qui m'a offert un tube de paillettes en or. Enfin, en or. Non, forcément pas en or, mais il a demandé à sa maman d'acheter ça pour nous amener ça et il a dit bah, « Je voulais que vous en donniez pour les jours où il n'y en aura pas. » Tu vois, à 16 ans. C'était génial. Ouais, ouais, mais la maturité est tellement variable. Et après, je pense que quand même, c'est là qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Cette congélation, quelle qu'elle soit, n'a pour vertu que de donner une carte joker pour éviter le don ou l'adoption. Et ce n'est pas une certitude, et ce n'est pas une garantie. Et ce n'est pas grave si on ne le fait pas. Il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens. On n'est pas obligé d'être jusqu'au boutiste pour essayer de transmettre cette génétique. Et c'est là qu'à un moment, on n'est plus forcément complètement dans le rationnel. J'entends qu'on veuille tous avoir nos enfants au départ avec notre génétique. Bien sûr, on est éduqué comme ça, culturellement c'est comme ça. Mais il faut se poser la question de ce qu'on voit dans cette génétique. La majorité des gens, c'est purement et bêtement, entre guillemets, la ressemblance. Est-ce qu'il va me ressembler? Il y a tellement d'enfants qui ne ressemblent pas à leur père ou pas à leur mère, ou à aucun des deux d'ailleurs parfois, et il y a tellement de gamins adoptés qui, par mimétisme, ressemblent à leurs parents, qu'on va leur dire que... Enfin, et les gens, de toute façon, retrouvent tout le temps des ressemblances. Donc, il ne faut pas être inquiet par rapport à ça. Donc, il y a un moment, il faut être capable de... Mais c'est dur, hein, c'est très compliqué de remettre les choses un peu dans leur contexte. Et le problème, c'est que tout ce qui a trait à la fertilité, c'est hyper dans l'émotionnel et ça nous prend, mais au plus profond de ce qu'on a. Et c'est du coup très dur d'avoir de prendre des décisions qui, des fois, seraient juste du bon sens de dire non. Ça peut être juste dire non, c'est trop, ce gamin, il est...
on va pas lui infliger ça en plus pour un truc pour dans 30 ans, il y aura peut-être d'autres choses, j'en sais rien. Est-ce qu'on a vraiment besoin qu'il se tape ça en plus? Alors, est-ce qu'il aura vraiment des regrets? On pourra lui expliquer que c'est... Mais c'est super compliqué d'être parent dans ces moments-là. C'est tout le temps compliqué d'être parent, mais c'est sûrement dans ces moments-là, c'est très, très compliqué. Merci beaucoup. Franchement, c'est merci pour tous ces messages, plein d'espoir, plein de réalité et de sagesse. Donc ça, c'est super. Alors moi, je voulais aussi faire une petite annonce, c'est que pour faire des bébés, ben, faut aussi souvent être bien dans sa sexualité. Et ça, c'est un autre sujet qui est pas tout à fait simple quand on est concerné par un cancer et qu'on est en plein traitement, en hormonothérapie, etc. Et donc le 26 juin, donc dans quelques jours, avec Oriane, donc toute l'équipe de Dis-moi Santé et Patients en Réseau, et avec Cyril et Colette, qui sont patients experts de mon réseau cancer colorectal, qui ont fait un énorme travail d'enquête, on va parler de ces sujets et on compte bien, avec tout ce travail et des plus de 400 réponses de différents réseaux, faire bouger les lignes aussi sur ce sujet, parce que si on a besoin d'être de mieux informés, mieux accompagnés autour de la fertilité et de la grossesse, il y a aussi besoin de beaucoup accompagner des gens en souffrance, notamment sur ce champ-là. Donc, je vous mets le lien dans le chat. Et puis, je propose de redonner la parole à Julie et à Sarah, si elles ont envie de vous poser une question, de donner un dernier message, de rebondir sur ces présentations. Et donc, à vous la parole et merci à tous et toutes de cette soirée. Alors, moi, je n'ai pas de questions, mais par contre, je voulais juste personnellement remercier le professeur Greenberg et le docteur Scélérée pour leur engagement quotidien et pour le merveilleux métier qu'ils font, quoi. Parce que, ben voilà... Sans vous, les patients, ils ne feraient pas tout ça et la science, elle n'avancerait pas. Et c'est pour ça qu'avec les Frangines, on reste engagés dans la recherche contre le cancer. Moi, c'est un essai clinique qui m'a sauvé la vie. Et aujourd'hui, j'ai même eu un bébé. Enfin, franchement, voilà, juste merci au nom de tous les patients pour tout ce que vous êtes. Bah, j'ai envie de dire, je ne peux que rebondir et co-signer. C'est vrai, c'est important de le dire parce qu'on raconte, moi je vois que ce soit dans le spectacle ou dans le livre, je raconte aussi parfois les maladresses de certains médecins ou les choses, après c'est la vie, hein. On sait que vous êtes tendu, et c'est en oncologie, hein, vous n'êtes pas concernés l'un et l'autre. C'est en oncologie que j'ai eu, voilà. Ça fait des anecdotes et ça fait des livres, des spectacles et des choses à partager avec Julie et avec d'autres amis sœurs de combat. Des frangines et oui, c'est ça en fait, c'est que enfin moi je peux que le redire, de se sentir accompagnée, et c'est vraiment ça, et c'est que vous nous teniez la main dans ces moments-là et voilà, mais j'ai mon arc-en-ciel grâce à ça, ça me permet aussi de partager cette histoire et j'espère de transmettre de l'espoir, et donc oui, merci de vous battre parce que je sais que vous le faites. Je pense que professeur Greenberg, vous avez dû congeler les ovocytes de toutes les jeunes patientes atteintes de cancer que vous pouviez aider. Voilà, je parle de vous à celles qui ne vous connaissent pas encore, mais voilà, et c'est incroyable parce qu'honnêtement, oui, pendant les 5 ans d'hormonothérapie, pour moi, ça a été un phare. Je ne savais pas que j'aurais ce grand miracle. J'ai eu cet incroyable miracle grâce à vous qui est ma fille, et voilà, et c'est important que les personnes le sachent vers qui s'adresser, et qu'avec le docteur Scélérée, on peut aussi être suivi tout au long de sa grossesse et pas être dans une angoisse. Et parce que quand on a traversé la maladie, comme le disait très justement Julie tout à l'heure, et ben voilà, il y a des réflexions. Moi, j'ai une gynéco. Moi, la mienne, elle m'a dit, oh là là, gros risque de récidive. Même mon oncologue disait, bon, on se calme. Hein. Donc voilà, donc de vous entendre vous et de montrer que vous accompagnez aussi. Donc voilà, c'est important. On peut le faire. On n'a pas de récidive parce qu'on a eu un bébé. En plus, vous l'avez dit presque, ça nous protège encore plus. Oui, c'est ça. J'ai bien suivi les choses. Oui, c'est un élément intéressant. Ouais. Et que surtout, voilà, les personnes qui nous écoutent, si c'est un projet que vous avez à cœur, et si même, moi j'étais célibataire à l'époque, j'étais dans la loose de l'amour, je jouais mes spectacles là-dessus avant de jouer sur la loose de la santé, et j'avais pas la personne, et je les ai quand même congelés. C'est important de le dire aussi, parce que parfois on n'est pas en couple, donc c'est comme ça que c'est des ovocytes qu'on a congelés. Et bah, j'avais voilà, quand même cet espoir, donc le bébé plus l'homme. J'avais du boulot pendant les 5 ans d'hormonothérapie. J'ai réussi, c'est un autre miracle, sujet pour un autre jour. Mais voilà, si vous avez ça à cœur et que c'est en vous, écoutez-vous, faites-vous confiance et sachez qu'il y a des personnes incroyables dans le corps médical, comme les deux médecins qui sont avec nous aujourd'hui, qui vous tiendront la main et qui seront là et qui se battront à vos côtés, et qui vraiment se battront à votre côté. J'ai pas d'autre.
d'autres mots. N'abandonnez jamais. Never give up, c'est mon mantra. Bon, ben, j'aimerais que les patients se souviennent aussi d'une chose importante, c'est que pour peut-être conclure ce webinaire qui était hyper intéressant, c'est qu'effectivement, la vie, elle est capable du pire, mais elle est aussi capable du meilleur. Et il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y a 365 jours par an, et dans ces 365 jours, parfois, on a des belles surprises. Alors, docteur Céléret ou professeur Greenberg, est-ce que vous voulez dire un petit mot avant que je fasse ma conclusion ? C'est, effectivement, c'était très enrichissant. Merci à tous. Et c'est vraiment très agréable d'avoir pu aussi voir vos beaux témoignages. Merci. Je n'arrive pas à découper mon micro. Je ne sais pas ce qu'il y a. On vous entend. Vous m'entendez ? Oui. Je voulais vous remercier aussi... déjà pour ces témoignages, remercier pour tous les mots hyper gentils de vous quatre finalement par rapport à nous, et vous dire que aujourd'hui vous avez Lise et moi en face de vous, mais nous on est juste les représentants du corps médical en général et des gens qui font de la préservation de la fertilité. Et c'est pas que nous deux, c'est plein de monde. C'est des infirmières, c'est des sages-femmes, c'est des aides-soignantes, c'est plein de monde qui est impliqué là-dedans partout en France. Et même si aujourd'hui, nous, on est les deux têtes de gondole, c'est un truc qui est hyper important. C'est aujourd'hui disponible dans plein d'endroits. Et il faut, je crois, remercier tous ces gens qui se battent pour que vous, hommes, femmes, essayez d'arriver, malgré la maladie, à vous permettre d'avoir cet objectif incroyable qui est le fait d'avoir un enfant, parce que même si c'est pas facile tous les jours, c'est quand même un truc qui est pas descriptible, et du coup nous on se bat pour ça, c'est ce qui nous fait vivre et c'est ce qui nous donne envie de vous aider et qui fait qu'on continue à se battre au quotidien et qu'on continuera à se battre et à essayer de faire avancer les choses. Et on a besoin de vous, de ces témoignages. On a besoin aussi, pour avancer malheureusement, de faire avec les échecs et les claques qu'on prend. Et je suis désolé pour toutes ces femmes qui malheureusement n'arrivent pas à avoir ce projet d'enfant, et malheureusement il y en a, et il faut penser à ces hommes, ces femmes qui en dépit de tout ce qu'on peut faire et de toute l'énergie qu'on peut mettre, n'y arrivent pas. Alors effectivement il y a des alternatives pour ceux qui acceptent d'y avoir recours. Mais voilà, c'est un combat, et quelque part d'avoir essayé, des fois se dire qu'on a fait le maximum, c'est déjà hyper important. Et le maximum va pas forcément jusqu'à congeler, ça peut être de dire non à une consultation, ça peut être de venir à une consultation et de rien faire. Il y a plein de manières d'être allé au bout des choses, et tant mieux quand on va au bout du bout et qu'on y arrive, et ça c'est génial, et c'est les témoignages, et tant mieux s'ils existent. Mais c'est hyper courageux d'être capable de dire non et d'accepter le fait que ce ne soit pas possible. Et ça, c'est, je crois qu'on est dans des combats qui sont des combats de vie. Et pour avoir un enfant, il faut être en vie. Et il faut se rappeler toujours que le cancer, c'est une lutte pour rester vivant avant d'être une lutte pour avoir des enfants. Mais tant mieux si derrière, on arrive à tout accomplir. Écoutez, merci beaucoup. Moi, je voulais vous remercier pour votre transparence et les messages, parce que c'est vrai que c'est des messages d'une transparence. Ça peut être effectivement une réussite, ça peut être un échec. Il y a toujours dans cette notion médicale le bénéfice-risque. Et parfois, aller jusqu'au bout, c'est effectivement choisir un autre chemin de vie qui peut être l'adoption avec des enfants qui ressemblent beaucoup au papa, à la maman, etc. J'ai trouvé que c'était une webconférence pleine d'énergie et d'espoir avec tous ces différents messages. Donc, je voulais vous en remercier. Vous en remercier pour toutes les femmes et les hommes qui étaient présents ce soir. Mais nous avons toujours un replay. Et ce replay va donc être à jour, je pense, pendant un certain moment, même si la science évolue. Et je suis sûre qu'il sera d'une grande utilité pour de nombreuses personnes qui rentreront dans le parcours. Il sera en ligne sur les réseaux, sur les pages YouTube de Dis-moi Santé et de Patients en Réseau. Et un immense merci à vous toutes et tous, et effectivement au corps médical qui
se bat quotidiennement pour que ses parcours de vie soient éclaircis d'arc-en-ciel. Laure? Alors, bah écoutez, un immense merci. C'était vraiment une soirée exceptionnelle. Je disais juste qu'effectivement, sur nos réseaux privés, donc mon réseau cancer en général, on retrouve notamment une petite brochure très bien faite qui explique les différentes techniques de préservation faites par le professeur Greenberg il y a quelques temps déjà. On retrouve donc le réseau de spécialistes pour les suivis donc de grossesse. Donc, soit en fait pour les personnes concernées par le cancer pendant la grossesse, soit pour ce projet de bébé après. Donc, on peut retrouver toutes ces adresses. On a aussi ces fameux groupes où vous pouvez échanger avec d'autres personnes concernées par ces différentes situations, parce qu'on voit bien qu'écouter des vraies personnes qui sont passées par là avec les hauts, les bas, les questionnements quand on traverse tout ça. Voilà, donc rendez-vous sur nos réseaux. Et puis donc, bien sûr, pour parler sexualité, très important sujet, un peu tabou néanmoins, pour avancer tous ensemble et essayer toujours de mieux accompagner à notre niveau d'association, mais en collaboration avec les soignants, essayer d'aider un maximum de personnes partout en France, parce que c'est aussi pour ça qu'on aime ces webconférences avec Oriane, c'est qu'on nous écoute de partout dans toute la France, et puis on retrouve les replays, donc pour les personnes qui n'étaient pas là ce soir, eh bien ça sera disponible dans quelques jours. Voilà, bonne soirée et grand merci. Oui.